Parce que vous m'avez encadré, vous, ancien footballeur, ancien international, merci encore. C'est un ancien de l'unité football club de Douala. C'est un ancien de Raï football club de Douala. Mario a surtout été l'un des meilleurs footballeurs de sa génération à Douala deuxième et ses environs. De la grande équipe des Bleus, ceux-là qui tiennent. Et je vous dis, personne parmi eux n'a moins de 50 ans. Mais vous allez voir le football qu'ils vont développer. Voilà donc, je vous signale l'arrivée de Obi. Obi, Oga, Oga est là. Oga, il voit le foyer au Liman. Voilà donc la liste des 11 entrants. Les 11 encore de la Dream Team. Ces gars qui ont marqué l'histoire du football. À tous ces garçons connaissaient le football. Mais seulement, il n'a pas pu aller aussi loin dans sa carrière. Il a choisi la voie de l'école. Qui m'accompagne là? Oui, bien évidemment, nous sommes ensemble. Je vous annonce surtout l'arrivée ici dans ce stade d'un certain Pelé. Ce n'est pas le grand Pelé, mais ce gars n'a pas une carrière moins que celle de Pelé. Voilà, vous savez, ça va être trop. Ah oui, bien évidemment, on insiste. Tu as entendu, on a déjà donné cité le nom de quelqu'un. On attend l'arrivée de madame. Celle-là qui est restée seule me disait que... qui en fait, avec toute son équipe, fait en fait des pieds et des mains pour réunir tout ce beau monde. Et on nous a annoncé que la culture rime bien avec le sport. Je peux même vous laisser dire. Nous attendons toujours l'arrivée de l'organisatrice de cet événement. La veuve, sans elle, il n'y a pas événement. Soyez en sûrs. Après, c'est ça. Les joueurs vont forcément se mettre à l'échauffement quand tu as été choqué. Ah super. Les habits doivent comprendre que ça va. Quand vous maîtrisez ta sujet, il n'y a pas le problème de generation. Cinco, Isaac, il était le latéral, moi j'étais le ailier. Il me connaît. Avant ces photonnets de Wawunde, Naebonga, Boubou, de Bintok, c'est non. Comme je connais bien la ballon, de ne pas me voler. Même un bête solo, il me connaît, de non, mais. Hein? Ben John Richard, t'as un John Don, quand vous voyez, faut dynamo, foyer. D'abord, me dit, toi, quand de toi, un tourbé, Mandilano, on avait top dynamo. Ah ouais? Madame Jimmy, s'il faut le dire ainsi, avec. Voilà, merci. Voilà.
Johnny, la barbarie n'a jamais été ton truc. Je me souviens de cet homme vieux qui est Nokon. Ah oui, oui, ton rôle de grand frère a été un succès pour la petite famille. Et vous avez tabé Yoman Erle. Attention, le centre parti manqué. La défense du reste du monde qui va devoir contrôler la derrière de son gardien de but qui peut repartir aisément, poliment, sans souci, sans stress en tout cas. Pour le moment, à tout le temps de ce jeu, sachez que maintenant nous jouons les premières secondes dans cette rencontre amicale pour rendre hommage tout simplement à Jimmy Jones. Il dit que c'est un acte d'utilisation de l'être de l'Église pour que les gens puissent vivre ce genre de compétition, ce genre de spectacle, bien évidemment. Ça vous fait de réunir autant de têtes couronnées footballistiques dans le cadre de ce match synonyme du petit hommage à votre épouse Marie. Avec beaucoup d'émotion, je vois tous ces anciens footballeurs. Je suis mon moment, je ne sais pas quoi dire, je sais mes phrases. Merci. Non, vous, évidemment, vous ne savez pas quoi dire, on vous salue, mais qu'est-ce qui est prévu après, honnêtement, pas parlant de troisième mi-temps, est-ce qu'une fondation est prévue en honneur de votre mari pour tout ce qu'il a fait pour le football et singulièrement pour autre chose? Je pars avec le grand aîné et l'honorable Antoine-Joseph pour voir comment est-ce qu'on peut revoir tout ça sur le prêt. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Je suis encore émotionné par le décès de mon mari et par tout ce que cela me coûte. On ne va pas m'assurer. Ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on devrait penser de vous? Évidemment, de l'UVEUVE maintenant, vous personnellement, les enfants, et peut-être pour Anne Perrine, j'ai été le disant tantôt, l'œuvre de votre mari, madame. Ben, beaucoup de courage, parce que c'est pas facile, c'est pas encore fini. La constitution, pas évident. Moi, je suis en train de continuer beaucoup les autres, que je combatte tous les autres qui sont encore dans les hôpitaux. Pour les noirs, c'est pour ça que j'ai ramené mon mari jusqu'au Cameroun.
encourager, tu viens guérir, tu viens nous relever, tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour.
toute la gloire te revienne, ô Dieu miséricordieux et compatissant. Nous te soufflions, Seigneur, par les mêmes privilèges d'amour et vivront éternellement. Thank you.
ça va. Né de Edimoujan,
Denis Alain Bastard. Je ne saurais vous dire la ligne des Goudou, fils Johnson. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu avec nous. Moi, spécialement, j'ai vécu avec les Goudou dans ces 55 ans, juste pendant 4 mois. Ces 4 mois que vous avez écoutés tout à l'heure, il a eu vents et marées. Écoute, est décédé, mais je sais que la vie continue au nom du respect. Je ne serais pas ici sans dire un merci spécial à Morninga Rose pour nous écouter. Pourquoi? Parce que il y a les femmes et les femmes. Que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne l'envie. Si un jour on se rencontre dans les autres plans, je sais que le mariage continuera de mal. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus nombreux. Je voudrais témoigner pour la mémoire de mon beau-frère. Dim était mon beau-frère. Le jour de son mariage avec ma petite sœur Rose, il a dit qu'il s'appelait Kondé Moïka. Et pendant les 19 ans qu'ils ont fait le mariage, quand il venait chez moi, on l'appelait toujours Kondé Moïka. Et cet amour qu'il nous a donné, aujourd'hui, nous voulons vraiment lui donner cet amour aussi. Nous lui donnons cet amour parce que toute sa vie, il a beaucoup souffert. Et c'était quelqu'un qui aimait la paix, qui aimait l'amour, qui était toujours là pour nous. Et il va beaucoup nous manquer. Personnellement, en moi, à chaque fois que j'avais des problèmes avec mon mari, il était toujours là pour me donner le goût, la sagesse. Et aujourd'hui, il n'est plus là pour moi. Il nous a quittés très tôt. Tout le temps, il me disait, quand je ne serai plus là, vous allez penser à moi. Mais il n'y a que le Seigneur qui sait pourquoi il est parti tôt. Les gens, mais la personne qui sait ce qui s'est passé va avoir le même sort qu'elle a fait. Parce que le Seigneur est là, il est vivant, il est réel. Moi, je parle. Et le Seigneur nous a déjà montré la suite de cette affaire. Donc, aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette grâce, parce que je suis venu accompagner mon frère avec tous les honneurs et toute cette grâce. Donc, qui repose en paix. Et nous l'aimons toujours, nous l'aimons beaucoup nous manquer. Bonsoir. Une force pour pouvoir organiser ce pays. Je suis un ami de la école et vous êtes tous. Alors je vais dire ce que mon mari m'a toujours dit. Vous en faites. Mon mari connaît la paix. Alors ce soir, je vais demander à tous ceux
par l'inadvertance, nous avons fait du mal, nous avons prié. Si par mégarde, nous avons fait du mal, nous pardonnons aussi. Parce que l'amour est plus fort que la... L'amour est plus fort que tout le reste. Jean, pour moi, c'est pas avec vous, mes frères, c'est avec les blancs. J'ai décidé de combattre tous les blancs que je vois sur mon chemin. Parce que j'ai un combat. Je dois ramener tous les noirs à la raison. À savoir que nous sommes une race et non une minorité. Donc mon combat est officiel. Je ne combats pas les communautés. Je ne suis pas venu faire la concurrence pour montrer aux gens. C'est l'amour que je prône. C'est mon mari, 19 ans de mariage, c'est pas deux jours. Tout ce que vous racontez au quartier, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu accompagner un être cher, qui m'est cher. Donc, à vous tous, je vous dis merci beaucoup d'être venu, que nous continuions dans cet amour. Parce que mon mari est un homme de paix. Il a demandé pardon à tout le monde avant de mourir. Il a béni le lot dans son compte. Il a demandé pardon à tous. Tous les Camerounais avec qui il avait des problèmes, même avec ceux qu'il n'avait pas vus depuis. Alors je veux qu'on continue dans cette langue et qu'on puisse l'accompagner dans la paix. Je vous demande pardon aussi si j'ai fait du mal à certains. Et restons dans la paix au nom de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bobo ambiye ni le awami ambiye ni ma menjele ni kutune uliyami amami ya kula kula kumi mimi kanya mbele kusuma ni mami manye mami tena mje mbele shio. Mais c'est vrai que tout le monde est fini. Et c'est la vie qui me l'a dit. Je ne peux pas tenir avec les soins. 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 Thank you.
Seigneur.